Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 46 sur la map américaine. Donc on est bien sur PS3. Donc on va attaquer nos petites patates. Donc je vais mettre un ouvrier puisque dans cet épisode j'ai l'intention de vous répondre aux commentaires que sur la vidéo précédente, hein, l'épisode 45, où je vous avais posé la question. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans un Farming Simulator 2015? Et vous avez été nombreux à me répondre. Donc je vais vous dire moi, je vais vous lire carrément, hein, les commentaires que j'ai pu recevoir. Et donc on va aller en vue intérieure. Donc d'abord je vais parler de ce que je suis en train de faire. Donc là je suis en train de tirer les patates, donc j'ai acheté cette nouvelle machine. Donc je vais faire le tour vite fait et je reviens dans la machine. Donc ici j'ai pas fini de vider, donc j'ai ma petite ensileuse, j'ai préparé ma petite remorque, j'ai mis le mec à côté tirer les betteraves, et sinon j'ai mis il est où ce... oui, j'ai racheté une deuxième machine, une deuxième moissonneuse, voilà, et j'ai mis mon collègue à semer du colza. Après quand on aura fini je vais le déplacer, hein, tout simplement. Donc hop là, mon fauteuil qui fait ça, veuillez m'excuser. Donc je vais aller en vue intérieure. Donc qu'est-ce que vous aimeriez voir dans un Farming Simulator 2015? Alors moi j'avais parlé vite fait, hein, j'avais dit des haricots, des trucs comme ça. Puis vous avez été aussi, vous avez pensé aux mêmes choses que moi, sauf qu'il y en a certains, ils ont eu des très bonnes idées. Donc je commence, hein, donc Joshua, je dis bien, excusez-moi, lui aussi, hein, il est pour des haricots. Franchement ce serait génial. Après bon bah ça c'est pareil, hein, bon ce serait une machine différente, mais bon. Mais bon, ça serait cool. Alors, Ch'tiralout. Oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Plus de culture, haricots, pois, tournesol, choux, poireaux. Et plus d'animaux aussi, cochons, lapins, vaches à viande. Ah ouais, vaches à viande, ouais. Mais aussi, je trouve qu'il pourrait refaire de la reproduction, c'est-à-dire des troupeaux de vaches avec un taureau. Et au bout de quelques temps, avoir des veaux. Avec le choix de les vendre ou de continuer la croissance pour le garder en tant que vache et voir toute son évolution et faire ça pour toutes les vaches et les moutons. Alors je suis d'accord avec toi, franchement ce serait vraiment génial de voir le taureau monter sur la vache. Bon c'est un peu c'est un peu obscène, mais ouais ce serait plutôt pas mal franchement. Donc après pour haricots, petit pois c'est une machine aussi, un peu comme la moissonneuse, sauf que c'est pas une moissonneuse, hein. Ça ressemble plus plutôt à l'arracheuse de patates là que vous voyez, mais avec j'en ai déjà vu, c'est pour ça. Tournesol, ah, j'ai pas regardé en fait comment ça se cultive. Le chou on aurait un peu de mal quand même, parce que le chou, bon après c'est du chou un peu pour contrat, où il passe directement une machine qui coupe les choux, mais bon, pas top. Poireau, ça serait vraiment génial, parce que voilà, les poireaux, ça pourrait être pas mal, les poireaux, ouais, c'est vrai. Donc, voilà pour ton commentaire. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas mal le coup de refaire de la reproduction, même de la reproduction, que ce soit pour les dindes et tout ça, ça pourrait être pas mal aussi. Alors, Diablo Nono, moi je voudrais voir de nouveaux animaux comme des cochons, des oies. Alors des oies, ouais, c'est méchant les oies, c'est un peu comme les canards. Marc Paul, il faudrait des vignes avec des vendangeurs par exemple. Et c'est vrai que ça c'est pas con. Alors ça j'ai regardé, parce que franchement moi les vignes, hein, c'est pas de ma région du tout, hein. C'est un peu plus bas que la Bretagne. Et c'est vrai que c'est vraiment hallucinant comment ils récoltent le raisin avec les vendangeurs, les machines qui aspirent carrément le raisin et tout, c'est vraiment génial. Dimitri le Geek,
du 5, bah, Dimitri le Geek 53, pardon, j'allais mettre un du 53, mais non. Dans Farming 2015, ça serait bien de voir le riz. Comme ça, on prendra une citerne d'eau. On devrait en mettre plein, car le riz, il faut de l'eau. Sinon, bonne vidéo et bonne continuation. Bravo pour tes 3000 abos. Bon, merci déjà à toi. Du riz. J'ai regardé vite fait, donc on s'en occupe avec une moissonneuse. J'ai vu quelques moissonneuses, ils étaient tous avec des chenilles, hein, je sais pas s'ils sont tous comme ça. Et pour une citerne d'eau, ce serait mieux carrément des canons à eau, les gros canons à eau qu'on voit, vous avez dû voir ça souvent, même pour ceux qui sont de la ville, hein, des canons à eau en fait, et ça arrose, ou bien c'est des rampes carrément qui vous les mettez à l'autre bout du champ et puis ils reviennent toutes seules et ça arrose, c'est vraiment génial. Et ça, c'est vrai que ce serait pas mal, hein. Même pour tout, hein, le fait d'arroser en fait, même pour les patates, betteraves, blé, machin, bref, ce que vous voulez, le fait d'arroser, ce serait pas mal puisque franchement, dans le jeu, il pleut, hein, il pleut, ça nous fait même pas chier. Alors, Polo Moro, continue comme ça, nickel. Ah, bon, ben, c'était pas pour ça. Attendez. Alors, PDG Strike, ou Strike, Strike, Strike Shock. Ouais, moi je dis Strike. Du tabac ou même des vignes. Alors, du tabac, si je commence à faire du tabac, alors, si je le fais en solo, ça va. Si je le fais avec Guigui, il va tout fumer. Ça, c'est sûr. Donc il n'y aura pas de récolte. Consommation personnelle. Bien sûr, je rigole. Ouais, du tabac, pourquoi pas du tabac. Hop là, attendez, je vais aller me préparer à vider là-bas. Parce que là, je suis sur mon ordinateur, j'ai la télé à côté, c'est vraiment le bordel. Donc, ouais, c'est vraiment grave le bordel même. Je suis vraiment pas à l'aise. Pour une fois, je me suis pas à l'aise pour faire ma vidéo. Donc, vraiment désolé. Hop. Donc, attendez, je recherche un. Alors, du raisin, ce serait bien. Mohamed Ali Boualala. Si j'écorche les noms, hein, vraiment désolé. Hein. Vous me le faites savoir dans la vidéo. Et puis, alors, Brassa Nicolas. Bonne année à toi aussi. Ce serait bien des tournesols et des févroles. Alors, ouais, ça pourrait être pas mal. Donc, des tournesols, on a déjà entendu parler tout à l'heure. La févrole, c'est plus pour. C'est plus un, pour reposer la terre, non? Non, je connais pas très bien la févrole. Mais nous, on en met en fait, c'est pour. Bah, ça nous sert pour reposer la terre et puis la févrole mange un peu l'engrais, on va dire ça comme ça, hein, le surplus d'engrais qu'il y a dans la terre. Dis-moi si je dis des conneries, mais normalement c'est ça. Bah, nous on en met de la févrole, mais vu que moi je m'occupe pas de ça, moi je suis chou, artichaut et c'est tout. Ça c'est mon rayon, le reste c'est pas vraiment mon rayon. Donc, Pierre-André Laborde, le tournesol ou de la vigne? Comme le 2011, d'accord. Donc on a déjà entendu. Donc je lis tout le monde, comme ça fait une petite dédie à tout le monde. Hein, à part alors Max Dizen, le raisin, le riz. Ouais, on a déjà parlé. Anthony Meunier, pour 2015, il faudrait avoir une plantation de raisin et autres plantations. Bah oui, autres. Il touche geek officiel. Ouais, cela serait bien qu'ils mettent des vergers de pommes. Sinon, bravo pour tes 3000 abonnés. Bah écoute, merci. Et puis, des vergers de pommes, ouais, c'est clair. Mais. Des vergers de pommes. Ce serait bien, oui. Mais. Il reste quand même un souci. Déjà que je me cogne partout. Alors, je me vois mal conduire entre les pommiers. Je vais avoir encore des accidents. Déjà, regardez sur la haie des Newtons, mince, sur la haie des Newtons, on a des petits vergers où on doit récolter entre les vergers, entre les arbres là, et on n'arrête pas de se les bouffer. Donc, alors Guillaume Pereira, dans le prochain Farming Simulator, il serait bien que les haricots y soient et surtout
Si je ressors hein, sur PS3 qu'il n'ait plus de problème de des bases, ah oui, qui est assez chiant, ouais. Ah bah oui, ça c'est clair. Façon, je pense que ça va être simple. Si dans quelques mois d'ici, ils n'ont pas trouvé une solution pour les bases. Pour les bases sur PS3, je pense pas que 2015 ils vont trouver une solution. S'ils sont pas fichus de trouver là, je pense qu'ils trouveront pas. En plus, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je sais plus sur quelle vidéo je vous avais dit d'aller voir une chaîne, et c'était une chaîne officielle, hein, une grande chaîne, qui annonçait, qui avait interviewé le créateur du jeu, hein, le directeur du jeu, et comme quoi, soi-disant, il y aurait entre parenthèses le multi mais plus tard donc pas de multi, pas de mode, des bases qui nous font chier. C'est vrai que bon voilà, on l'a tous compris. Donc on a Maxime Lefranc, des carottes. Oui, des carottes. Alors des carottes, ouais, ce serait pas mal, ce serait même génial en fait, parce que voilà, les carottes ça s'arrache un peu comme les poireaux, si je dis pas de conneries. Oh, voilà, tu vois pourquoi on veut pas mettre de vergers de pommes. Tu vois, les arbres, hein, ils font chier. Ouais, des carottes. Alors, je réponds vite fait à la question, Sylvain Boucheguing. Et j'aurais une question aussi, combien d'heures de jeu faut-il arriver? Ah non, combien d'heures de jeu faut-il pour arriver aux 2 millions d'euros, s'il vous plaît? Eh ben, j'ai fait une vidéo en 10 heures, j'avais gagné 2 millions, hein, parce que j'avais en fait en 10 heures sans tricher, hein, donc en 10 heures j'avais pu m'acheter une éolienne, hein, je l'avais montré dans la vidéo, mais par contre j'avais été obligé d'acheter tout le matos à côté, donc j'étais bien arrivé à 2 millions, hein, même plus de 2 millions, donc en 10 heures. Voilà. Alain Nicolas, pourquoi tu prends la grosse moissonneuse avec la petite coupe? Alors, j'avais envie de répondre à ce commentaire, donc désolé. Pourquoi? Parce que c'est la plus grosse coupe sur PS3, on n'est pas sur PC, c'est la plus grosse coupe. Voilà, c'est tout simple. Je te fais voir. Moissonneuse 7 mètres 2, 10 mètres 50, et c'est tout. Voilà, c'est la plus grosse coupe. Et tu vois, possession 2. Donc voilà. Alors, Florent Olay. J'espère que je te prononce bien. Tu devrais économiser pour mettre 4 éoliennes. C'est ce que j'ai fait. Je gagne 4000 euros l'heure. Et laisse tourner ta PS3 toute la journée et tu auras plus de 10 millions, et cela sans tricher. C'est une carrière suivie, pas une course. Mais bon, merci à toi quand même. Salut et bravo, continue comme ça. Big Deal The News Farmer. Ça serait bien du triticale, de l'avoine et de la févrole. Donc ça, c'est plus pour reposer la terre, hein, c'est ça. Hein. Ouais, ça pourrait être pas mal aussi. Farm 59. Du tournesol et des vignes, ce serait pas mal. Je trouve, bravo pour tes 3000 abonnés. Super vidéo, comme d'hab. Bah écoute, merci à toi. Et puis, tournesol et vignes, on en a déjà parlé. Bah écoutez, j'ai tout fait, normalement, j'ai oublié personne. À part, bon, j'ai pas lu tout, vraiment tous les commentaires. Hein. Écoutez. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir d'avoir laissé un petit commentaire. Je suis vraiment désolé, parce que là je me rends compte en fait que la vidéo elle est très bien, mais vu que je suis pas à l'aise, je suis pas installé confortablement comme je suis d'habitude sur mon canapé à regarder que mon écran de télé et s'occuper de ce que je fais. Et vous parlez en même temps, là il fallait que je regarde sous l'ordi et tout, donc c'est pas très fun, hein, je suis vraiment désolé. Donc voilà. Donc maintenant on va s'occuper un petit peu de notre culture. Donc attendez, je baisse, je remets mon truc là, normal, parce que là je vois plus rien, ça m'énerve. Voilà. Donc je vais m'installer dans mon petit canap et voilà. Ah là je vais être bien.
Pour vous parler, c'est plus facile à moi d'être détendu que d'être stressé comme ça. J'ai peur d'oublier quelque chose et tout. C'est vraiment très chiant. Et je vais vite. Moi, je vais aller changer de champ à notre mousse là-bas parce que. Donc, vous avez vraiment des très bonnes idées, hein, franchement. Mais bon, on verra bien ce qui nous prépare, hein, d'ici. Moi, je pense qu'en pour avoir des infos, je pense qu'il faut attendre mars pour avoir des infos sur le nouveau. Sur le nouveau farming, mais je pense ouais mars à peu près, mars avril ils vont commencer à en parler hein, parce que voilà ils sont obligés de faire un petit peu leur pub hein. Donc hein, faut que je saute là-bas donc ouais vers mars avril on devrait avoir des nouvelles et peut-être savoir un petit peu les cultures au moins qui seront disponibles sur ce nouveau farming bah, j'espère mais normalement il n'y a pas à avoir peur hein. Mais normalement, ça devrait être pas mal. Parce que regardez, il y a quand même du changement entre le 2011 et le. Alors, pourquoi il veut pas? Ouais, des fois, il faut lui rentrer dedans. D'accord. Il y a quand même du changement entre celui de 2011 et celui de 2013. Hein, et on est bien d'accord. Par bien sûr les Dutch, où vous avez acheté le DLC pour ceux qui ont joué sur le 2011. Et puis après, bah, le fait de leur acheter le jeu 2013, vous retrouvez les mêmes choses. Ça, c'est vraiment dommage. J'espère qu'ils vont pas nous faire le coup à la fin, avant la fin du jeu, et ce sera le prochain. Ce sera limite la moitié du prochain jeu, quoi. Allez, 100%. Écoutez, je vais vider. Je vais pas stocker. Je suis pas du genre à stocker en fait sur ma partie là. Je suis assez aisé en argent. J'ai encore mes silos d'ensilage à vider et tout. Donc, j'ai pas besoin de m'emmerder plus que ça. Je voulais revenir aussi sur ma vidéo de hier. Oui, ce soir, hein, nos amis les bêtes. Où je vous avais annoncé que j'avais acheté le G27 et qu'il n'est pas compatible sur. Oh, je vais passer par là. Mais non, où je vais? Non, c'est pas là. Qui n'est pas compatible sur PS3. J'ai dit ça parce que quand j'ai lu la notice, c'est bien marqué que c'est compatible PC mais pas PS3. Et celui qui était compatible PS3 était juste à côté en fait. C'est pour ça que j'ai cliqué sur mauvais et ça marquait Windows PS3. Mais c'est pour ça que je pense qu'il n'est pas compatible sur PS3. Mais s'ils sont tous compatibles sur PS3, parce que je reviens sur le commentaire de Jouon, Jouon Farming Simulator, pour moi. On verra bien. Normalement, je l'ai demain. Si tout se passe bien. Donc, je verrai bien. Mais à mon avis, c'est mort. Donc, voilà. Je reviens aussi sur un commentaire que j'ai eu hier. Alors, je sais plus c'est qui. Mince alors. J'ai oublié de regarder avant de commencer la vidéo. Ou quand j'ai dit que farming c'est toujours la même chose, bon, je me suis peut-être mal exprimé. J'ai dit c'est toujours la même chose parce que c'était toujours les mêmes cultures en fait, ou c'était toujours, on revient toujours au même truc. Et tu m'as répondu, c'est ça l'agriculture, c'est toujours la même. J'ai dit c'est toujours la même chose et toi tu m'as répondu, attendez, on est juste à côté de l'ordi, je peux encore faire un petit tour, hein, on n'est pas loin. Il suffit de revenir en arrière, hop. Hop. Comme ça je vais lire le commentaire, ça va être plus simple parce que sinon. Attends, t'inquiète pas. Alors, Buder Franck, mais tu t'attendais à quoi? Farming, c'est toujours pareil, c'est de l'agriculture. Alors. Tu t'attendais à quoi? Mais c'était pas dans le sens. Je voulais pas dire dans le sens où. Voilà, farming c'est toujours la même chose, c'est parce que voilà, c'est toujours les mêmes cultures. Donc, je suis quand même arrivé à 127 vidéos sur ma chaîne où limite c'est que du farming. Hein. Donc, on va dire 120 sur, c'est que du farming. Ça veut dire que je vous ai vraiment montré tout ce qui était sur farming. Ce que je voulais dire, c'est que je n'avais plus.
Je n'ai plus, j'ai encore des idées, hein, bien sûr, j'ai encore des nouveautés qui vont arriver, mais je n'ai plus, je n'ai plus, je vais plus vous sortir de série, rien. Ça veut dire que je suis un peu, si je dois pas, en fait, je n'ai plus d'idées pour renouveler mes, comment dire, mais je suis en train de me perdre en fait. Je vais te trouver dans 5 secondes, ça va venir tout seul. Donc, ce que je voulais dire en fait. C'est que si, admettons, j'aurais commencé le jeu à la date de sa sortie, qui était en 2012, octobre 2012, sur PC, pour maintenant, ça veut dire que donc c'est octobre. En fait, pour février 2013, ça veut dire que j'aurais été obligé d'abandonner Farming, puisque j'aurais pu. Je vous aurais tout montré. Donc ça veut dire qu'après. Tout le reste du temps, j'aurais été emmerdé en fait. C'est ça que je voulais expliquer en fait. Que en fait, quand ils nous sortent un DLC, en fait, ils devraient nous renouveler, trouver soit nous mettre des nouvelles cultures, ou soit je sais pas, mais il faut vraiment qu'ils trouvent une solution. Après, je sais bien que moi, j'ai peut-être un peu abusé, on va dire. J'ai vraiment sorti énormément de vidéos et c'est ça peut-être que c'est ça aujourd'hui je m'en rends compte que j'ai peur de vous lasser. C'est ça que j'expliquais en fait dans la vidéo d'hier. J'avais peur de vous lasser que vous soyez complètement lassé puisque voilà on va revenir toujours 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 à la même chose à partir de maintenant. Même si je change mes séries, même si je trouve des trucs fun à faire. Ce sera toujours la même chose, ce sera toujours ce sera toujours, admettons, si ce sera toujours la même machine de betterave, hein, à part heureusement il y a un peu de mode, hein, comme j'expliquais, il y a un peu de mode. Et c'est ça l'agriculture. Non, l'agriculture, en vrai, c'est pas comme ça. Pas du tout. Puisque, admettons, l'agriculture, ça change tout le temps. Là, regardez, je vous donne des exemples. Hein. Avec mon chef, on a prévu de faire plein de choses demain. Admettons que demain il gèle. Et toutes les choses qu'on a prévu de faire, on fera pas la moitié. Hein, puisque nous, quand il gèle, on peut pas aller couper des choux, admettons, et on est obligé d'attendre midi. Hein. Donc voilà. Ou bien encore l'autre jour, je suis rentré du boulot, il a fallu repartir au boulot. Voilà, il y a des. Je sais pas, pour ceux qui connaissent, des bernaches qui mangent le blé, qui sont arrivés, et il a fallu trouver une solution pour les faire dégager. Donc c'est des trucs comme ça, l'agriculture, c'est pas tout le temps pareil. Il y a toujours des trucs inattendus en fait. Donc l'agriculture, c'est pas tout à fait comme la simulation. Faut pas rêver, hein. Là, il n'y a pas. Admettons, là, je vais pas tomber en panne parce qu'il y a une courroie qui va péter ou autre. Et c'est ça manque de ça même. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, admettons, on pourrait avoir des pannes, admettons, on monte dans le tracteur, il veut pas démarrer, on est obligé d'appeler une assistance, on crève, à faire les cons, je sais pas moi. Quand admettons, on fait un peu les cons, qu'on fout les moteurs en l'air, des trucs comme ça, des pannes. Moi je pense que les pannes, ce serait plutôt pas mal. Des pannes inattendues comme ça. Bon après je sais bien que. Quand on a envie de faire un truc assez vite, ça peut être chiant, mais sinon ça peut être marrant. Bon, on pourrait, admettons, il mettrait une option activer ou désactiver. Mais moi je trouverais ça plutôt marrant en fait. Parce que voilà, ça permettrait de montrer aussi que tout n'est pas rose. Hein. C'est pas parce qu'on a un tracteur neuf que demain il va pas lui arriver une couille. Hein. Franchement. Et au lieu de mettre les prix de maintenance, qu'on soit obligé de passer au garage, admettons, pour changer les lames, je sais pas, les disques, un tapis, bref, qu'en fait que la facture, on soit obligé de la payer, quoi. Et ça, ce serait plutôt pas mal au lieu de nous mettre de la maintenance. Et si on le fait pas, sans tapis, y a rien. Si admettons, là, on cherche pas les petites lames pour dépanner. Et ça défane mal, et puis on récupère pas la moitié de nos patates. Et ça, je pense. Hop, il faut que j'aille vider. Et ça, je pense que ça mettrait un petit peu. Bien sûr, toujours avec cette option activée et désactivée. Ça mettrait un petit peu de piment au jeu, franchement. Parce que sinon, ça devient très, très, très monotone. Ça, c'est chiant. Moi, je me suis déjà vu tirer des remorques et la flèche elle pète de la remorque et je peux vous dire
Bah, c'est pas marrant. Ok, c'était pas marrant sur le coup parce que là ça arrive en vrai. Mais si ça arrive en jeu, ben je me dis réfléchis, je suis obligé de trouver une solution pour arriver au garage. Et ce serait plutôt. Voilà. Je devrais bien voir ce genre de choses. Bon, ben, on a bien avancé. J'ai toujours pas mis le gars à aller dans un autre champ semer. Je vais m'en occuper tout de suite. Oula, je commence à faire des trucs bizarres. J'ai pas regardé, 41. Donc, t'es là. Eh bien, toi tu vas aller bosser vers là-bas. Donc, le semoir arrive vite, c'est normal, puisque quand on met un ouvrier, je le répète, pas besoin de se faire chier à le remplir. Vu déjà le prix qu'on paye un ouvrier, pas la peine de le remplir. Après, faites comme vous voulez, hein, si vous voulez le remplir, vous pouvez le remplir. Hein. Et vu que celui-là, moi d'habitude, les petits, bah, je les remplis. Hein. Puisque vu que les ouvriers, bah, ils oublient des bouts partout. Mais sur celui-là, en fait, vu qu'ils oublient pas de. Bah, vu qu'avec le semoir-là, il n'oublie pas de boue, hein, il tourne vraiment bien avec ce semoir dans les boues, il n'y a pas besoin de le remplir, hein, vous n'aurez pas besoin de refaire les boues. Voilà. Voilà, hop là. Donc je vais faire pareil. Hein. Je pense que je vais mettre pas mal de colza quand même. Donc j'ai deux machines. Hop. Après je vais voir dans les autres. Hein. Je vais peut-être mettre. Ça pourrait être pas mal de mettre un peu de maïs. À voir. Donc 68. Doté à combien? 50. Donc les patates ça va plus vite quand même. Hop. Et où mon tracteur? Donc voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez clair au début de la vidéo. Après j'ai peut-être un peu cafouillé quand j'ai voulu expliquer. Tu t'attendais à quoi? Vraiment désolé. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai un petit peu, je suis un petit peu crevé. Hein. La journée était dure aujourd'hui. Mais bon. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo parce que ça fait quand même une quinzaine de jours hein, que vous êtes en attente. Et voilà. Donc sur ce, bah moi je vous dis bah à la prochaine.